Bona tarda, benvinguts per aquesta conferència final del cicle de conferències que hem fet a l'Institut sobre microestats europeus, cooperació i diplomàcia. La primera cosa que cal dir, parlant de microestats, és que la mida no és important, parlant de microestats i parlant d'altres coses. Però hi ha una experiència que tenen aquests estats de mida reduïda, ja sigui Luxemburg, Mònaco, Andorra, San Marino i Malta, que han passat per aquí, o avui Liechtenstein i el Vaticà, tenen una experiència que pot ser d'interès no només per Catalunya, sinó en general. De manera que per això s'ha convocat aquestes jornades que fins ara han funcionat força bé i que esperem que puguem continuar en un futur explorant altres aspectes que segurament són interessants també. Per un cantó, tots són molt diferents, aquests microestats, només cal pensar en el Vaticà per un cantó, però tots ells tenen les seves característiques i segurament depenen, potser més que altres estats de mida més gran, dels estats veïns, o no, o tenen algunes relacions privilegiades amb altres estats que no tenen per què ser veïns. No? En tot cas, hi ha coses interessants que ens poden dir amb aspectes d'interculturalitat, de governança, d'economia i en una situació com l'actualitat, en què tenim conflictes de tota mena, conflictes, podríem dir, socials de grau divers, alguns d'ells molt importants, segurament l'experiència que ens han explicat i que ens explicaran avui pot ser molt valuosa per veure com alguns, si més no tots, alguns d'aquests conflictes es poden resoldre. Avui tenim dos conferenciants, el senyor Wilfried Marxer, que és politòleg, director de recerques polítiques de Liechtenstein, que ens parlarà de la definició de la política en un sistema de govern complexa, la política estrangera de Liechtenstein entre cooperació regional, europeïtzació i globalització. I després el senyor Robert Botegui farà la conferència sobre el Vaticà, una dimensió micro universalment aplicable, que la farà en italià. Substitueix el senyor Cocanà, que estava anunciat i que no pot ser aquí aquest dia. Jo m'excuso ja d'entrada perquè d'aquí mitja horeta hauré de marxar i em perdré segurament una part important de la conferència, si no tota de la segona conferència, però si més no m'agradarà estar atent a la primera, i com que les conferències que es fan a l'Institut es graven, després tindré ocasió de poder visionar el vídeo i poder-me'n assabentar. Moltes gràcies. No sé si Martina vols dir alguna cosa. La Martina és l'ànima d'aquestes jornades, i no només per parlar de les jornades, sinó si vol presentar els conferenciants, doncs endavant. Bona tarda a tots i totes. Moltes gràcies de ser aquí avui. Primera cosa que volia dir és que avui acabem el cicle de conferència aquí, en l'IEC i a Barcelona, i continuarem, de fet, una taula rodona que tindrà lloc amb els ambaixadors a Estrasburg el mes de setembre en el Consell d'Europa, en el qual doncs, els que hi vulguin venir seran convidats. Això ja m'ho direu. I la segona cosa també és que tenim previst també de tirar endavant un projecte europeu Network Jean Monnet en 2019 sobre aquesta temàtica dels microestats, petits estats a nivell europeu, perquè tenim també microestats però també petits estats, i que cada vegada n'hi ha cada vegada més, i que doncs, sobre la temàtica de quin rol estan jugant aquests micro i petits estats, quin rol també poden jugar i quin paper poden tenir a nivell de l'Europa de demà. Doncs considerant també que, si no sé si ho teniu present i ho heu pogut averiguar, hi ha hagut un atlas que s'ha fet ara sobre els estats europeus, en el qual l'últim mapa
ja prefigura l'Europa de demà amb, com a petit estat, Catalunya, les Flandres, Escòcia, Lombardia, País Basc, també, i és un atlas que acaba de sortir ara, a final de 2017. Doncs tot això ens fa que ens anem a preguntar quin paper l'Europa de demà haurà de jugar tenint en compte aquests micro i petits estats, cosa que actualment no es té gaire en compte. Sàpiguen també que Andorra, San Marino i Mònaco estan negociant un acord d'associació amb l'Unió Europea. Doncs tot això fa que s'està moguent actualment entre tota aquesta temàtica de petits i microestats. Bé, doncs presentaré el senyor Marxer, que està aquí. Li dono les gràcies d'haver vingut des de Liechtenstein amb la seva esposa, que ens acompanyaran doncs, durant un ratet. És politòleg, és director i responsable sobretot de política de recerca a un dels instituts de recerca reconegut de Liechtenstein, com a microestat, doncs, i va estudiar ell a la Universitat de Múnich, Alemanya, ha fet el seu doctorat a Suïssa, i la seva investigació científica des de fa molts anys ha estat en temes rellevants sobre Liechtenstein, ha publicat nombrosos llibres, antologia i article, i l'Institut mateix és reconegut per les seves publicacions també de Liechtenstein. Doncs és fonamentalment, n'hem parlat aquest migdia, l'institut podria ser un dels partners, un soci que tindríem dins el futur Network Jean Monnet, per exemple, perquè és un institut que, reconegut internacionalment. I també dir que és membre de diferents xarxes d'experts europeus, com el meu col·lega Robert Botegui, també, com a professor a la vegada universitari i com a professor en formació d'adults. Doncs, Christa, a tu. Tu peux y aller. Okay. First, thank you very much for the kind invitation to come here to the wonderful city of Barcelona, which I enjoy very much, and it has been 40 years since my last stay here in Barcelona, so it was really time to come back and see how beautiful the city is. Thank you very much to the Institute of Studies Catalans and Professor Camiat for the invitation, and I have a short time to give a brief introduction on the Liechtenstein, on its, let's say, a little bit of history in order to understand where we are now, and of course on foreign policy and diplomacy. So I hope everybody can understand English. We have a multilingual situation here, as I guess, with Catalan, and we had a lunch here with more or less all the languages, French and Catalan and I don't know, whatever, and English, of course. So I hope it will be quite clear what I will present here on the case of Liechtenstein. Well, let me start with a brief look back to the history of that small state, and we have to go quite a couple of centuries back in history, starting with the Holy Roman Empire and the beginning of the Principality of Liechtenstein, and have a few slides here prepared in order to visualize that a little bit and make it a little bit easier to understand what I am presenting here. Now, the Holy Roman Empire started after the decline of the Roman Empire and in 962, and it lasted about 1,000 years until 1806, and you see with the arrow that Liechtenstein has been part of that construction at the edge of the
this Holy Roman Empire, and those days that was not a sovereign, an independent country, but part of that construction, and through division of the empire within the dukes and princes and so on, little territories started to exist, and out of these territories, in the end, Liechtenstein started to be an independent country, as we will see after the year 1806. Now we see that the start was these territories as a partial territories of the Holy Roman Empire, which was called the County of Vaduz, which is now one part of the Principality of Liechtenstein, and the second part was the Lordship of Schellenberg. And nowadays we still speak not of these counties and lordships, but inside the principality we have two constituencies, the upper country and the lower country, which was the former County of Vaduz and the former Lordship of Schellenberg. That means that history goes on and on until the present until the present days. So we have these two constituencies where we see that when we elect the parliament, which is consisted of 25 members of parliament, 15 are from the upper country and 10 are from the lower country. So that's history in present days. Now, the Prince of Liechtenstein entered history of our territories in the year 1699, when the princely family of Liechtenstein kind of bought or started to reign over this region, the Lordship of Schellenberg. And a couple of years later, in 1712, the Prince of Liechtenstein kind of bought the second part of the now country called Liechtenstein, that means the County of Vaduz. And in the year 719, these both territories were unified and they started to be called the Principality of Liechtenstein. Now, why Liechtenstein? You see that the name of the Principality of Liechtenstein is connected to the princely family, and the princely family of Liechtenstein did not have residence in that what we now call the Principality of Liechtenstein, but their main territory of action and their residence was around Vienna and Prague and in these areas, and they were very wealthy, and they just bought these little tiny poor territories of the now called Liechtenstein area in 1699 and 1712. So now we up from 1719, we call the territory the Principality of Liechtenstein. But it took until 1938 that the first Prince of Liechtenstein really moved to Liechtenstein. He went away from Vienna and he moved to Liechtenstein and took residence in the castle of Vaduz in Liechtenstein. That's quite a new history that the prince really has residence in the Principality of Liechtenstein, which was not the case before 1938. Now, with the end of the Holy Roman Empire in 1806, the independence and sovereignty of Liechtenstein started. When Napoleon made a new order in Europe, and he conquered and he went until Moscow in Russia. He started to have a new construction of the whole area, and here in the bright green or yellow part, this is called the Rhine Federation, and Liechtenstein was one tiny little part of that Rhine Confederation. From that day on, from 1806 on, it was a sovereign and independent country, as all the other members, like the Kingdom of Bavaria and so on and so on. But if you compare Bavaria with Liechtenstein, you see it's the big and it's a very, very little. And Liechtenstein was one of these 1,000 West German states in this Rhine Confederation. And after the decline of Napoleon, the Vienna Congress started and a new confederation started after the Rhine Confederation, which was called the German Confederation, starting in 1815, and this lasted until 1866. So Liechtenstein was again part of that confederation as an independent and sovereign country, in fact the smallest one, with a little bit more than 6,000 inhabitants, so very, very, very small, out of 41 member states. And there were
37 monarchies and four cities member of that German confederation. You see still again at the edge of this confederation, you see a confederation, you see Liechtenstein as a part of that confederation, whereas Switzerland was not part of that German confederation. Now we have now the independent and sovereign country of Liechtenstein, and well, some kind of burden for the inhabitants was that they had to have a military contingent for the German Confederation, which the inhabitants really hated very much. And after the end of the German Confederation in 1866, Liechtenstein abolished the military contingent, and there's no more army in Liechtenstein. So very weak, Liechtenstein is very weak, has no army, no troops, and is very dependent on situations that war does not happen in Liechtenstein, because there's no self-defense in Liechtenstein since that area. Now, parallel to the German Confederation, Liechtenstein, and that was obviously that was the initiative of the prince and not of the local inhabitants, the peasants of the Liechtenstein, but of the prince of Liechtenstein having residence in Vienna. A very close cooperation started with Austria and afterwards with Switzerland. So the cooperation with Austria started with a customs treaty in 1852. That means a little bit before the end of the German Confederation, this customs treaty already started giving some impulse to industrialization in Liechtenstein with textile industry and some other small industrial areas. And this close cooperation lasted until the end of World War I. When Austria lost the war, the monarchy was abolished in Austria, and Liechtenstein saw that Austria is really at the bottom and down, and they started a cooperation with Switzerland. Instead of Austria, more or less moving to tie relationships with Switzerland. But the ties are still valid in between Liechtenstein and Austria, concerning, for example, culture, education, social welfare, security, justice, and so on. So this lasts a little bit longer than only just to the end of World War I, and the legislation is in some parts very much influenced by the Austrian legislation, which was in the 19th century taken over from Austria, like copy-paste from Austria, and this lasts until present, and other parts of the legislation are more influenced from Switzerland after 1920 and 18, after World War I, there was a closer cooperation with Switzerland, and also in the legislation there's close ties to Switzerland. Now we see the second part after Austria. Switzerland was in the favorite position for Liechtenstein to have a close cooperation and connections, and that started with a customs treaty in 1923 between Switzerland and Liechtenstein, which was very, very important for Liechtenstein to have some kind of economic perspective for the future. That was very important. Until present times, it is very important to have very close economic relationship with Switzerland. But it's more than that, and you see in 1922 it's also a currency treaty. That means in Liechtenstein we do not pay with the euro, we pay with the Swiss franc. So our official currency is in the Swiss franc. If you come and visit Liechtenstein, of course you can also pay with euro, but the main currency is Swiss francs. And there's a very close cooperation nowadays with Switzerland, again regarding health, education, intellectual property, agriculture, and so on. And if you just take the first two terms, like health cooperation, that means we only have a small hospital in Liechtenstein, and whenever you need some specialized surgery or whatever, you have to go to Switzerland or maybe Austria to some other places. So we need this kind of cooperation, because a small state as Liechtenstein
cannot provide all services that are needed for the population. And the same accounts for education. For example, we have a university in Liechtenstein which only covers two areas. It is architecture and it is economy. And whenever you want to study something else, you have to go abroad. So that means most of the people, of the young people, go to Switzerland, to Zurich and Bern and so on to have some studies there. So they go to Austria, to Germany, maybe to other states. So you cannot have all the services, either health, education, or whatever, in a small state of Liechtenstein. We have to cooperate with the other countries, and the bigger countries are very, let's say, very friendly towards Liechtenstein because they say, you know, so small, and we like to help them, and Liechtenstein needs the help of the stronger and bigger neighbor states. So how looks Liechtenstein at present? It has very exactly in June 2017, was the last count, it was 37,877 inhabitants in Liechtenstein, and approximately the same number of employees. That shows already that there are really, really a lot of employees in Liechtenstein, and a lot of them, more than half of them, are commuters from Switzerland and from Austria, traveling every day from Switzerland to Liechtenstein. I mean, it's not far away. It's just crossing the border, crossing the River Rhine, and you are in Liechtenstein, and you go back to Switzerland. So it's not a long travel you have to do. But that shows that there's really a booming economy in Liechtenstein. It has been booming since at least the end of World War II. It's going up and up and up. And a very strong economy in Liechtenstein. And on the map you see where Liechtenstein is located. It's really located between Switzerland and Austria, having close relationships to these two countries. You see that it's not far away from the Lake Constance area. It's about 30 kilometers to the Lake Constance, which is a lake bordering to Switzerland, Austria, and Germany. That means Germany is not far away either. And the language in Liechtenstein is German language, so that it's also an explanation for the close relationship to Austria, Switzerland, and Germany, where the German language is also in Switzerland the main language, and the other countries the official language. Whereas Italy, for example, is a little bit far away, since the Alpine mountains are between us, so, and the language is different, so the main relationship is towards Switzerland and Austria, and maybe also to Germany. So that's the geographical situation and some information on the booming economy. Now, if we make a comparison between small states, we can see that even if we call states like Estonia, Cyprus as small states, they at least have more than 1 million inhabitants. So that's compared to 37,000 in Liechtenstein, from our perspective, quite a lot. And if we see the next group, let's say, is Montenegro, Luxembourg, Malta, and Iceland, with about 300,000 to 600,000. So that's about 10 or 20 more people than are in Liechtenstein. And then there are the smallest ones, Andorra, Monaco, Liechtenstein, San Marino. They are in about the same situation, Andorra being a little bit bigger in terms of inhabitants. Monaco, Liechtenstein, San Marino, quite at the same level of 37,000. And Vatican doesn't even show cover there because there's a few persons only living in the Vatican. Just 1,000. We'll hear that later, I guess. So now, if you compare that with Catalonia, for example, how is it? 7 million inhabitants. So that's from our perspective, it's really huge. We don't talk about Spain, of course, and Germany and France and so on.
So if we define a small state, it's always a question of what is a small state. Well, Liechtenstein is a very small state. Others call it a microstate. Even Belgium, Netherlands, Switzerland, Sweden are called small states, but only in comparison to the real big ones. But compared to the very small states, well, there's quite a difference between Switzerland, Austria, Belgium, and so on, and let's say Monaco, Liechtenstein, San Marino. So the situation is quite different, and we see that these very small states with only few inhabitants have a lot of challenges to face. Now, priorities of foreign policy, and we start with that international affairs in present times, how that developed. We have a publication from the Ministry of Foreign Affairs, and they were the label it reliable, committed, and solidary. These are the main principles of foreign policy of a small state. So it's and here are the priorities of foreign policy, which are formulated in that publication, in that brochure. Neighborhood policy, you see already Switzerland, Austria, Germany, the neighborhood policy and relations with other priority countries is very important. European integration is very important. We have seen the economic development of Liechtenstein, and that means that the economic integration is very important, and to have some sort of continuity in economic affairs is very important. And for that, European integration is, of course, very important, because a lot of export is done towards European countries, and Liechtenstein, as a small state, is, of course, very dependent on export. So it's not like an internal market which has some weights on them, but it's the export orientation. Then foreign economic policy and financial center policy. Probably you know a little bit that Liechtenstein is also famous as a center of finance, of banks, and so on, but that's not the whole story. It's not the whole story, because there's a lot of industry in Liechtenstein, and there's even a bigger share of employees working in the industry than in many, many other countries, although Liechtenstein is more or less known maybe as a financial center. So industry is very important for Liechtenstein. And then the next one, protection of human rights and the rule of law. By human rights, there are quite a lot of initiatives which are supported by Liechtenstein, and rule of law is very important for any small state, because there's no military power to have a success. So rule of law and stability is very important for small states. And then in the end, international solidarity. So these are the priorities of foreign policy in Liechtenstein. Now, independence and sovereignty. A second step, I just have a look on several international organizations where Liechtenstein has tried to be a member or has successfully applied for a membership. The first one, the League of Nations, and that was kind of a shock for Liechtenstein. It started in the 20s, 1920, and ended after the Second World War, and the continuation kind of was then the United Nations, which we know now. Now, Liechtenstein, there were 32 victory states being member of the League of Nations, and 13 neutral states, and Liechtenstein tried to be a member of the League of Nations. Switzerland applied on behalf of Liechtenstein, but it was rejected by 28-1 vote, so only Switzerland supported the membership of Liechtenstein, and the arguments were, is it really an independent, a sovereign country? It's too small. There are not so many inhabitants, there's only a small territory, there's no army over the Drac, no army, and delegation of sovereign rights to other states, that means close cooperation with other states, and the state does not provide all the services for the inhabitants, so can we speak of a really independent sovereign state? And in the end, the League of Nations decided, no, this is not an independent state. So that was quite a shock for Liechtenstein. And the successful story then was the membership in the Council of Europe, and I heard that in a
in a former presentation here in this cycle. There was already, they spoke already about the membership of Liechtenstein in the Council of Europe. It started not just with the application, but there were different activities before that. But again, in the 1960s, there was a discussion on small states or on microstates. Are they really states? Can we give them membership in international organizations such as the Council of Europe? It's the smallness of the states. Is it a really sovereignty? And there was some critic about the liberal tax legislation in Liechtenstein, and then in the end also women's suffrage. So the women did not have the right to vote in Liechtenstein until the year. Until the year 1984. So it took really a long time until women's suffrage was introduced in Liechtenstein. So these were some kind of critique on small states, especially here in the case of Liechtenstein. But Liechtenstein started to ratify conventions of the Council of Europe starting in 1969. In 1971, it had the status of an observer state, so that was, let's say, half of the membership already, half of the ticket. In 74, it was official observer, and in 78, Liechtenstein became membership in the Council of Europe. And that was really very important for Liechtenstein and like a European-wide acceptance of the sovereignty of Liechtenstein as a very small state. So that was a very important step. And it was the 21st member in the Council of Europe and also ratified the Human Rights Convention and a lot of other conventions afterwards. Now, the Organization for Security and Cooperation in Europe is another important step for Liechtenstein to show that Liechtenstein is a sovereign country, not only represented by Switzerland or via Switzerland, but having an own position in this international negotiations. So Liechtenstein participated in the Conference for Security and Cooperation in Europe together with other small states such as Cyprus, Iceland, Luxembourg, Malta, Monaco, San Marino, and the Holy See. As I found out, and in 1994, the Organization for Security and Cooperation in Europe started after the conference. The organization was created with 57 participating countries, including Liechtenstein and the small states, which I have already mentioned, including now also Andorra and later Montenegro. Now, the Organization for Security, it's a slide where you probably cannot identify all what's on the slide, but we see a little bit that all these aspects are quite important for small states, let's say minority rights, rule of law, gender equality, good governance, so that does not only count for bigger states, but also for small states. And a lot of these goals of international organizations fit very, very, very good to what small states want to have and their needs. Now, United Nations, again, there was in the 1960s a discussion about microstates. Again, the same question, are they really sovereign, and so on and so on. But after the membership of Liechtenstein in the Council of Europe, that was maybe kind of a door opener, that also the United Nations accepted it. And in 1990, that means 12 years after the membership of in the Council of Europe, Liechtenstein became also member of the United Nations as the 190th member of the United Nations. So that was the second really, really big success for Liechtenstein to be accepted as a sovereign state now worldwide, not only European-wide, but worldwide. So now I would say there's no more discussion about whether small states or very small states are really sovereign states and can be member of such organizations or not. Now let me briefly touch how Liechtenstein organizes the international relationship. You can imagine that there are not 1,000 people working in the foreign office of Liechtenstein, but it's always a question of resources, how many people can work on that, and how many financial resources are put into these foreign relation affairs, embassies, and so on. And I can see
where Liechtenstein is represented. It's quite only a few countries where Liechtenstein has own embassies. It is Switzerland in Bern, it is Austria in Vienna, it is in Berlin, Germany, and in Washington, USA. So these are the four countries where Liechtenstein has an own embassy. In other cities where international organizations have their seat, Liechtenstein is also present. That means in Vienna, as a, well, on the one side, the embassy to Austria, on the other side, organizations of the United Nations and OSCE, where Liechtenstein is present, in Brussels towards the European Union and the European Economic Area, in Geneva, dealing with EFTA, with World Trade Organization and other organizations of the United Nations, in Strasbourg, towards the Council of Europe, and in New York. So there are the spots where Liechtenstein is represented with his own embassies and doing its work. Who is ambassador to Liechtenstein? In Liechtenstein, there are only a few. In most cases, embassies like for the United States embassy to Liechtenstein has a residence in Switzerland, taking together Switzerland and Liechtenstein in the same embassy. So there are only a few consular representations in the Principality of Liechtenstein, really, including it, and that's the most cases. Like that, honorary consuls, so some lawyers who have a honorary consulship to for some countries. So this is a whole list here: Belgium, Bulgaria, Central Africa, and so on. And with bold letters, I pointed out the other small states like Cyprus, Luxembourg, Malta, and Monaco, which are represented and in Liechtenstein. Saint Vincent and Grenadines. Yeah. Saint Vincent and Grenadines. I didn't find out. Maybe after the Olympic Games, it's both Korea together. Let's stay diplomatic. Now, European and economic integration is another very important issue, of course, for Liechtenstein. I have pointed out now here European Free Trade Association, European Economic Area, and World Trade Organization. Now, the EFTA, European Free Trade Association, was founded in 1960. You see a lot of countries those days being member of the EFTA, like Denmark, Norway, Austria, Portugal, Sweden, Switzerland, United Kingdom, and you don't see Liechtenstein because Liechtenstein was represented by Switzerland, so being like a junior partner of Switzerland. Finland became associated member. Afterwards, in the 70s, also Iceland became a member, and up from 1991, Liechtenstein became full member in the EFTA, another important step towards independence and an open foreign policy of Liechtenstein, not only being represented by Switzerland. Now, later, EU membership happened, and that means that the EFTA lost some sort of importance. Denmark joined the European Union, United Kingdom, both in 1973. Later, it was Portugal in 86, and in 1995, Finland, Austria, and Sweden. So that was weakened the EFTA as an institution, and another sort of European integration become more and more important also for Liechtenstein. We see here the remaining member states. It is Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland. We see that they have 491 billion euros of export of goods and services in 2014. Several free trade agreements with other countries, and a trade surplus, which is good for the EFTA states, of course. Now, the next step was being member of the European Economic Area. There's no goal for Liechtenstein to become a full member of the European Union, but the Economic Area is a sort of a cooperation between three of the four EFTA states with the European Union. That means
Norway, Iceland and Liechtenstein, but not Switzerland. So Liechtenstein became a member of the European Economic Area with two popular votes, the first one in 92. We have direct democratic instruments in Liechtenstein, or a popular vote, a referendum was done on that issue with a 55.8% of yes votes afterwards, because Liechtenstein became not a member of the European Economic Area. Negotiations were necessary between Liechtenstein and Switzerland, Liechtenstein and the European Union in order how to handle that, because from that point on, Liechtenstein was member in two economic areas, the relationship with Switzerland on the one side and on the other side, the European economic area. So that was quite complicated, but in the end, it was successful, and in 1995, Liechtenstein became member of the European economic area. Now we see that in Liechtenstein, this is perceived as a very important and successful step towards European integration without being a full member and without being obliged to fulfill all the tasks coming from the European Union, but only this economic area field is covered. And that shows that in a survey we did asking the electorate in Liechtenstein, that 20% think that the European Economic Area is very positive, and 63% find out that it's rather positive. So very, very positive feelings towards the European Economic Area, whereas a membership in the EU, the European Union, is rather critical. So only 4% find the EU is very positive, and 39% find it's rather positive. So that's about similar to how the people in other European countries vote on the European Union and how their perception is. But the European Economic Area is very, very positive. And I could show a lot of other graphs showing that it's not only the feeling of the electorate, but also of the banks, of the administration, and so on and so on. So European Economic Area is very important and a very positive perceived. Now, we see here also the employment growth since 1994. That shows that it's growing and growing. Employment, the green line, is increasing. And because there are not as many employees that are needed living in Liechtenstein, there are more and more commuters. Why are they not moving to Liechtenstein? That's because Liechtenstein is the only country in the European Economic Area and in the European Union where you cannot move to Liechtenstein even if you find a job in Liechtenstein. So you can start a job in Liechtenstein if you find a job, but you cannot take residence automatically in Liechtenstein. That means since the economy is booming, people find a job, but they live in Switzerland or Austria, commuting, crossing the border every morning and going back to Austria and Switzerland in the evening. So that's one part of the success history of that economic area for Liechtenstein, and why it's maybe also perceived very positive, because not thousands of people move to Liechtenstein in this process. Now, World Trade Organization, just to be quite brief, has 164 members, including Liechtenstein as a very small country. Again, we see that in 1995, Cyprus, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, and Malta joined the World Trade Organization. Montenegro joined in 2012. Andorra and the Holy See are observers, and Monaco and San Marino are no members. So maybe if we compare the small states, we usually find out that Liechtenstein is maybe a little bit more active in foreign relation affairs than some other very small states. International treaties, there's a long list of international treaties where Liechtenstein, which Liechtenstein has ratified. Give some rather important ones at the level of the Council of Europe. It's the European Convention on Human Rights. It's a convention for the protection of national minorities against racism and intolerance. It's a group of states against corruption, also called GRECO.
It's a convention on the suppression of terrorism, against torture and inhuman treatment or punishment, etc., etc. So a lot of conventions which have been signed and ratified by Liechtenstein, and at the level of the United Nations, we see that the human rights, of course, are important. Then civil and political rights, the rights of the child, elimination of all forms of discrimination against women, convention on the elimination of all forms of racial discrimination, and so on and so on. So a long list of conventions now, but not all of the existing convention has been signed and ratified by Liechtenstein, because again, it's a question of resources. One important convention, for example, is the UN Convention for the Protection for Persons with Disabilities. And there is a discussion, of course, whether Liechtenstein should sign or ratify, but it's always a question of resource. And you have to report, you have to write reports on these conventions, and there's a monitoring process, and so on and so on. And we only have a small administration, so that's the reason why not all the conventions have been signed and ratified already by Liechtenstein. Well, there others are at the level of the European Economic Area, like Schengen-Dublin treatment, where Liechtenstein is also participating, the EA finance mechanism, International Criminal Court, European Patent Office, and so on. So also at from the European Economic Area, there are impulses for conventions and treaties where Liechtenstein participates. To come to the end, just some characteristics of small or micro state concerning resources, powers, vulnerability, and flexibility. I've already mentioned it's always a question of resources, personal resources, financial resources, and you have to set up priorities in foreign relations, foreign policy, and try to cooperate with other countries in order not to provide all services in your own country. So that's why international treaties are very important for a small state. The second one is a lack of military power, of course, and a lack of negotiation power of a small state. So it's like a fight weak against the strong. And since Liechtenstein as a small state is always the weak one, it has to be very, very flexible. And it is, of course, vulnerable because of that dependence on international movements, dependent on how things are moving in the world. And in economic terms, one has to find out what is a niche economy for a small state, which can produce success in a small state. And you have to develop a policy which is in favor of that, that niche economy, of course. It's important that the international rule of law exists, because of lack of negotiation power and so on. International treaties are important, and regional cooperation, of course. And the last one is the flexibility. Small states have to be very flexible in all aspects. They are not strong enough to have power to towards neighbor states, towards international organizations, and so on. So that means that the quick reaction on challenges is very important, and that means also that in internal process, some sort of consent is necessary, and the conflict should be kept at a low level. And here you see that in Liechtenstein, it's a rather complicated situation in the political system. The constitution of Liechtenstein shows that it is a so-called dualistic construction, where the prince has a lot of power and the people have a lot of power. And that means that both of them, prince and people, have to cooperate, and they have to find some common solutions. The power of a prince, namely, lies in the veto right in legislation and also in international treaties. So we cannot join international treaties if the prince is against it. We cannot have any amendment in the legislation if the prince is against it. On the other side, he cannot just introduce new laws and whatever, but he needs the approval of the parliament or
the people as a substitute for a parliament decision, which means that direct democratic decisions may be very important. That means that the people have to be convinced that something is very good and important for Liechtenstein in order to have a majority in a popular vote. And that means we have popular votes starting with a popular initiative or a referendum against a parliament decision, including international treaties. And as I already mentioned, there were two popular votes on the issue of European Economic Area in 92 and 95, ending with a majority of about 55% in favor of the membership in the European Economic Area. So that's the internal situation of how this has to be discussed and developed, and in the end how this will be decided. Well, that was it. Thank you very much for your attention. Bé, continuarem, potser, i fareu preguntes després amb el senyor Botegui, Robert, que és membre també, com el Rémi que coneix, que no ha pogut venir, a causa de la seva esposa que ha seguit com a diplomàtic i ambaixadora a Kenya. Doncs de costum és el contrari, ara, ja amb les noves generacions ja va canviant. Són els homes que segueixen les seves dones, que són ambaixadores. I el Rémi va ser director durant 2 anys de l'Institut Catòlic de la Mediterrània, que el seu seu és a Marsella, i el Robert n'és també membre actualment. I per això parlaran també del Vaticà. Durant un cert temps també va estar a Roma, el Rémi, i després doncs, amb la seva senyora també, que era ambaixadora a Roma, perquè és italiana, em sembla, la seva senyora, ve d'aquí, i doncs, tenim també un franco-italià, i Rémi també és un franco-italià, doncs, que ens parlaran del Vaticà. Gràcies, Robert. Bonsoir. C'est fait, merci. Je vais donc m'exprimer en français. Je vais lire le texte de Rémi Coccana. Je ne suis que son porte-voix et non pas l'auteur du texte, même si je connais un peu la réalité du Vatican. Rémi a préparé un texte en français que je vais lire et en même temps, c'est transparent en anglais pour illustrer. Voilà, en même temps, donc si c'est fait, la technique suit. Ben, si, à ma connaissance, oui, tous les écrans. Merci Martine. D'une part, je voulais d'abord remercier l'Institut d'études catalanes pour cette initiative et cette invitation. Au nom de Rémi Coccanaz, on voulait vous remercier. Et d'autre part, de remercier les collègues de l'Université de Perpignan, en particulier le professeur Beccat et ma vieille complice et comparse Martine Camiade, dans nos actions de formation sur la coopération territoriale européenne, de m'avoir proposé de le remplacer et en même temps d'évoquer d'autres projets. Voilà ce qui est en dit. Donc je vais commencer la lecture du texte. S'interroger sur les liens entre le Vatican et l'Union européenne pourrait impliquer une longue dissertation sur l'histoire de l'Europe, son origine, son esprit et son projet. Il n'est cependant pas question ici de se prononcer sur la hiérarchie entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Question structurante et brûlante pour le Moyen-Âge européen, au moins à partir du XIe siècle. Notre propos, le sien, celui de Rémi Coccanaz, ne vise pas non plus à trancher le débat plus contemporain sur, ouvrez les guillemets, l'identité chrétienne de l'Europe. Il serait même hasardeux et risqué de mettre en avant l'esprit chrétien de quelques-uns des pères de l'Europe, entre guillemets. En introduction, nous pouvons seulement relever ce mélange des genres qui semble caractériser les relations entre le Vatican et l'Union européenne. Car au-delà des aspects institutionnels et formels,
les relations avec le plus petit État du monde, comme vous l'avez vu dans la carte précédente, 0,44 km², c'est-à-dire une grosse ferme, 44 hectares, les relations avec le plus petit État du monde prennent très vite une dimension politique à la hauteur d'enjeux anthropologiques et éthiques. Quelle légitimité ai-je, Romy Kocanaz, pour vous parler de l'État de la Cité du Vatican ? Point d'interrogation. Principalement, je m'intéresse à l'histoire de l'Église catholique. J'ai soutenu ma thèse en histoire contemporaine sur le dialogue islamo-chrétien en Méditerranée. Ce travail universitaire a d'ailleurs été publié en deux volumes, le premier aux presses universitaires de Rennes en 2015 et le second vient juste de paraître aux éditions marseillaises Chemin Dialogue. Ce second volume s'intitule « Chrétiens et musulmans en Méditerranée, ombre et lumière de l'entre-deux-guerres 1919-1939 ». Et il m'a demandé de vous en apporter quelques exemplaires, trois exemplaires que j'ai ici, si certains seraient intéressés. Oui, je fais même la promotion commerciale des livres de Rémy Kocanaz, qui sont donc la deuxième publication de son doctorat. Je reprends la lecture. Il s'agit surtout d'une étude des prémices de dialogue dans la première partie du XXe siècle. Deux points. Comment les missionnaires et les islamologues catholiques ont contribué à préparer le grand tournant du Concile Vatican II. Cette période des années 1920 et 1930 est intéressante, y compris sur la question plus précise de l'État du Vatican. On y arrive à l'État du Vatican. C'est en 1929 que sont signés les accords du Latran. J'ajoute quelques commentaires. Donc vous voyez que c'est un État récent, beaucoup plus récent que n'est le Liechtenstein, et encore plus récent que San Marino ou la principauté de Monaco, que je connais bien pour d'autres raisons, qui ont déjà plus de 700 ans. Donc c'est en 1929 que sont signés les accords du Latran, qui vont d'une certaine manière permettre à l'Église de se libérer des questions territoriales et repenser le sens de son universalité. En ce sens aussi, le Concile Vatican II 1962-1965, qui marque l'ouverture de l'Église au monde moderne, est tributaire de cette période. Une autre source de légitimité personnelle, donc celle de M. Rémy Kocanaz, réside dans ce qui constitue mes anciennes fonctions. Donc marseillais, né à Marseille, j'ai travaillé pendant 8 ans à l'Institut catholique de la Méditerranée, qui est un petit pôle associé universitaire de l'Université catholique de Lyon, qui s'inscrit dans le vaste réseau des universités catholiques et qui est donc en lien avec différentes structures vaticanes. À ce titre également, j'avais produit un article pour le réseau d'études ici présenté par les logos et que représente Martine Cabiade, donc le réseau d'études mené par Birt Wassenberg et Martine Cabiade. La seconde partie reprendra d'ailleurs une bonne part d'une étude effectuée sur les relations entre l'État de la Cité du Vatican et l'Europe. Et enfin, Martine l'a évoqué, pour des raisons familiales, il a suivi sa femme, il a démissionné de l'Institut catholique dont je suis aussi administrateur. Pendant plus d'1 an à Rome, il oublie de dire pour s'occuper du bébé pendant que la femme jouait aux ambassadrices. On dit souvent en français, c'est la femme de l'ambassadeur. Dans ce cas-là, c'est nouveau, c'est le mari de l'ambassadrice. Pour un jeune professionnel, c'est un commentaire du prof, à 32-34 ans, c'est pas facile de trouver sa place. Parenthèse terminée, Martine. Et cette nouvelle localisation m'a permis de prendre la mesure plus territoriale et peut-être plus locale du Vatican. Donc ce texte a été écrit en septembre de l'an dernier et depuis début d'année, il est à Nairobi, au Kenya. Fermez la parenthèse. La mesure microscopique de l'État du Vatican. Je commencerai d'ailleurs mon exposé par là et par une sorte de visite des lieux permettant ainsi de prendre la mesure territoriale. C'est simple, l'État du Vatican, on le voit très facilement sur le format d'une page à 4. Vous voyez, c'est tout petit. L'aspect le plus visible est bien sûr celui des 4 grandes basiliques romaines et des musées du Vatican qui peuvent se visiter au prix d'une surveillance stricte
et d'une attente souvent interminable. Rémi avait ce qu'on appelle en français un coupe-fil qui lui permettait d'accéder aux locaux plus facilement. Ce privilège est terminé. Pour visiter ces hauts lieux du tourisme religieux et artistique, le visiteur doit passer par des portiques de sécurité. Il doit en revanche demander un permis spécifique que vous trouvez ici à droite, c'est celui de Rémi Coccanaz. Il doit en revanche demander un permis spécifique quand il souhaite se rendre en d'autres endroits de la cité. On parle souvent en France, en commentaire ou ailleurs, de retour des frontières. Pour le Vatican, c'est facile à contrôler les frontières puisqu'il n'y a que deux portes d'entrée. Deux portes d'entrée sont généralement empruntées. La porte de bronze, alors je crois qu'il a un transparent, je vais revenir après en arrière, où je l'ai passé. Et voilà, il y a la porte de bronze, pour ceux qui sont allés à Rome, c'est celle qui permet d'accéder dans la grande basilique Saint-Pierre, auquel on accède comme pèlerin ou comme visiteur avec des portiques. Et une deuxième porte, c'est l'entrée de la basilique Saint-Pierre et la porte Sainte-Anne, qui est ici. C'est celle que l'on voit lorsqu'on va de la place Saint-Pierre, donc du Vatican, vers les musées du Vatican. On sort, on tourne à gauche, et vous avez ici, avec les deux gardes. L'avantage, pour passer les frontières du Liechtenstein, c'est sans doute plus facile, je pense. Qu'empruntent également les véhicules motorisés. C'est pareil chez vous. Passez par cette deuxième porte qui cache une magnifique petite église, que transitent le plus fréquemment les personnes et les marchandises. Le visiteur rencontre alors deux barrages de contrôle. Le premier est assuré par les fameux gardes suisses, pas du Liechtenstein, suisse, hein, excusez-moi, là, il ne faut pas confondre, qui n'étant pas de nationalité italienne, représente une altérité jugée nécessaire par un État qui est cerné par l'Italie. Outre le côté folklorique de l'habit, ces gardes ont en fait l'avantage d'appartenir à une antique nation de mercenaires, je ne sais pas ce qu'il faut entendre par mercenaires, et d'être plurilingues car suisses. Ils sont donc souvent à même d'apporter les premières indications. Les gardes suisses sont aujourd'hui une centaine environ. Ils assurent la sécurité rapprochée du pape, le chef de l'État du Vatican, et sont ainsi présents à tous les carrefours stratégiques du palais apostolique. Ils vivent dans un bâtiment accolé à la porte Sainte-Anne, au tout début de la rue qui monte vers le palais apostolique. En face, sur cette même rue, se trouve le deuxième poste de contrôle. Il s'agit cette fois-ci d'un bureau où la gendarmerie du Vatican délivre les permis d'entrée dans l'État. On a là le mode d'emploi pour aller cambrioler le Vatican, hein, on a toutes les indications. Ce deuxième corps de sécurité est généralement constitué d'Italiens qui sont chargés de la sécurité dans les rues, oui, parce qu'il y a deux rues dans l'État du Vatican, et les jardins de la cité du Vatican. Car, outre l'immense et impressionnant palais épiscopal, la cité comprend ainsi une ou deux rues dans lesquelles se trouvent une pharmacie, un magasin, une imprimerie et d'autres services comme la poste et les services économiques. La pharmacie est particulièrement prisée par les Romains qui y trouvent des produits particuliers et souvent à des prix meilleur marché car non taxés par l'État italien. Pour les gens d'église qui fréquentent le Vatican, c'est toujours une source de plaisanterie que d'aller à la pharmacie du Vatican. Parenthèse fermée. Pour se rendre à l'intérieur du palais apostolique, il est nécessaire d'avoir un rendez-vous et après vérification et retrait de la pièce d'identité, le gendarme remet au visiteur un billet et une carte de visite qui sont consultés par les divers gendarmes et gardes suisses rencontrés dans la suite du parcours. Mais ces forces de police sont aussi de précieux indicateurs, car le palais apostolique peut devenir un véritable labyrinthe. Les ascenseurs mènent aussi dans les étages où les murs portent encore les immenses cartes géographiques et les fresques peintes au XVe et XVIe siècle. Cette richesse artistique ne doit cependant pas abuser le visiteur, car il n'y a rien d'évident à travailler ou à vivre
dans des bureaux classés au patrimoine de l'humanité. D'ailleurs, ce n'est pas sans raison que le pape actuel François a décidé de quitter ses appartements, certes riches en peinture, mais où il est très difficile de brancher son iPhone. Rémy a choisi son fournisseur de portable, ce n'est pas un Samsung, c'est un iPhone. De même, a-t-il décidé l'an dernier de faire entrer la résidence de Castel Gandolfo, résidence secondaire des papes depuis le XVIe siècle, dans l'administration des musées du Vatican. Mais les bureaux de l'État, et ça peu de gens le savent, ne sont pas tous situés à l'intérieur du palais apostolique. De nombreux ministères et services sont en fait repartis dans différents bâtiments de la ville de Rome. Sans entrer dans une liste fastidieuse de particularités, deux zones principales peuvent être distinguées. La première, c'est donc le transparent qui est en cours, la première est la Via della Conciliazione. Cette artère, percée par Mussolini, que vous voyez donc ici, au moment des travaux, percée par Mussolini, entre le château Saint-Ange, donc c'est le château qui est rond avant qu'on arrive sur la Via della Conciliazione, entre le château Saint-Ange et la place Saint-Pierre. Des ministères, comme le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, ou Comité des sciences historiques, ou encore bien Radio du Vatican, ils ont leur bureau. J'ajouterai que nombre de représentations auprès du Saint-Siège, probablement aussi celles du Liechtenstein, je ne l'ai pas vu, ont aussi leur bureau dans cette Via della Conciliazione. La salle de presse est située à cet endroit. De même, la curie des Jésuites constitue une zone d'extraterritorialité. La police italienne ne peut y entrer qu'avec la permission des forces de sécurité vaticanes. La deuxième zone d'extraterritorialité est située dans le quartier de Trastevere, qui est un quartier à l'écart, bien sûr, de la zone du Vatican. Le palais Saint-Calliste regroupe des ministères comme celui de la promotion humaine, au sein duquel sont désormais traitées les questions de famille, d'immigrants, etc. Y vivent aussi des cardinaux qui ont leurs appartements au dernier étage. L'endroit est d'autant plus surprenant qu'il se situe au cœur de ce quartier alternatif appelé Trastevere. Pour ceux qui connaissent, la nuit Trastevere, c'est comme la Ramblas de Barcelone. Donc le contraste y est très vigoureux. Où les bars sont désormais au moins aussi nombreux que les touristes. Cette sorte de point de bascule entre la capitale italienne est d'ailleurs une réalité à souligner quand on parle de l'état de la cité du Vatican. Car le changement d'atmosphère, sinon de langue, est peut-être ce qui est le plus frappant et qui donne le plus d'épaisseur à la singularité d'un micro-État complètement cerné par l'Italie. Deuxième chapitre de son intervention, les différents niveaux de la diplomatie pontificale. En même temps, je vais faire passer ça, une carte d'État du Vatican. Voilà. Les relations entre l'Union européenne et l'État de la cité du Vatican, donc les plaques d'immatriculation, souvent j'ai un commentaire, ça me fait penser l'État de la cité du Vatican. Quand on est à Rome, on voit des véhicules avec la place d'immatriculation SCV. Voilà, peu de gens savent ce que cela veut dire. Ça veut dire État de la cité du Vatican, Stato della città del Vaticano. Est étant Stato. Je l'ai traduit en français, mais Stato della città del Vaticano, SCV. Se place d'abord à un niveau territorial, voire de proximité, car lié à une situation d'enclave géographique. Comme Saint-Marin, la cité du Vatican a une frontière ouverte avec l'Italie, sans pouvoir cependant délivrer de visa Schengen. Je ne sais pas si le Liechtenstein délivre des visas Schengen. Bonne question. Disposant d'un héliport, je crois que vous aussi vous avez un héliport pour les hélicoptères. Voilà, disposant d'un héliport comme seule porte ouvrant sur les routes aériennes, l'entrée dans la cité du Vatican est conditionnée par une autorisation de passage dans l'espace Schengen. Donc un pays qui n'est pas de l'espace Schengen ne peut pas rentrer dans l'espace du Vatican. Il y a tout un système de visas. Les relations avec l'Italie voisine apparaissent comme une donnée de base. En 1929, les accords du Latran, précédemment cités,
ont permis notamment de définir les rapports douaniers entre les deux États. On cite les marchandises provenant de l'extérieur et envoyées à la Cité du Vatican ou en dehors de celle-ci, donc les territoires extraterritorialités du Vatican, mais hors du périmètre historique du Vatican, ou instituées au fil du Saint-Chaise, seront toujours admises de quelques points des frontières italiennes que ce soit et de n'importe quel port du royaume. Royaume, parce qu'en 1929, on était encore royaume d'Italie et que la République n'est arrivée qu'en 1947, entre parenthèses, à passer par le territoire italien avec pleine exemption des droits de douane et d'octroi. Il a précisé, article 20, on ne fera pas de contrôle de connaissances, pour savoir. L'introduction de l'euro a donc naturellement nécessité un accord préalable avec la République italienne. Le même pendant a été fait pour la principauté de Monaco, par exemple. L'État de la cité de Vatican ne fait pas partie de l'union douanière de l'Union européenne, ni de la LLE, donc ni dans les dispositifs correspondants du Liechtenstein, mais utilise l'euro et a, comme d'autres micro-États, obtenu le droit d'émettre un nombre limité de pièces en euros. Bien que membre d'organisations internationales de dimension européenne comme Interpol, et c'est là qu'il y a la grande différence par rapport aux autres micro-États, dont celui de Liechtenstein, le Vatican ne peut guère aller plus loin vers une intégration européenne. Quelles en sont les causes ? Les critères de Copenhague sont en effet stricts sur la nature démocratique des États candidats à l'entrée de l'UE. Or, le chef de l'État de la Cité du Vatican est souverain de droit divin et absolu. Contrairement à la principauté de Monaco ou Liechtenstein, où il y a un prince et un parlement, il n'y a pas de parlement élu dans l'État du Vatican. Donc, l'État de la Cité du Vatican est souverain de droit divin et absolu et concentre tout à la fois les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Souverain d'un État de 44 hectares et d'un riche patrimoine artistique, il est surtout le titulaire du siège apostolique, ou Saint-Siège, l'autorité suprême de l'Église catholique. L'État de la Cité du Vatican est de nature théocratique. Étant de nature théocratique, il ne répond pas aux critères de la démocratie tels que ça définit les accords de Copenhague. Donc c'est non simplement un micro-État, mais un micro-État qui n'est pas comparable aux autres micro-États. Comme chef d'État et chef d'Église, le pape est entouré d'un gouvernement. Alors, selon les éléments de langage qu'il faut apprendre à maîtriser, qui s'appelle la curie, donc ça c'est le gouvernement de l'État du Vatican, et d'une administration qui bénéficie du territoire vaticanesque, mais qui n'est pas donc titanesque et qui est tout petit, mais également d'extensions romaines citées précédemment, au sommet duquel se trouve la secrétaire d'État, qui est dirigée par le cardinal secrétaire d'État. Vous m'accordez une pause ? Merci. Sous l'autorité du pape, ce dernier est le véritable chef de gouvernement et de la diplomatie du Saint-Siège. Il est en effet à la tête d'un édifice diplomatique extrêmement vaste qui s'appuie sur des nonciatures apostoliques, les nonciatures apostoliques étant les ambassades, l'équivalent de nos ambassades. Et donc, le paradoxe, vous allez voir, c'est que c'est le plus petit État qui a un des plus grands réseaux diplomatiques du monde. Donc, il s'appuie sur les nonciatures apostoliques, les ambassades, des organisations internationales catholiques, comme la Caritas, l'action catholique, comme on dit en France, le secours catholique, comme on dit en France, sans parler d'un réseau multiforme d'informateurs. La dimension catholique prend ici toute son ampleur. Comme l'explique John Bassir, la diplomatie du Saint-Siège est l'une des plus grandes diplomaties au monde, non pas par le nombre de membres de cet État et de ses diplomates directs, mais certainement par sa présence sur le terrain et la spécificité de sa mission. Le Saint-Siège dispose en effet d'un réseau d'informateurs extrêmement dense qui lui permet de suivre attentivement l'évolution internationale.
le Saint-Siège disposait en 1995, par exemple, du troisième réseau diplomatique mondial, juste derrière les États-Unis et l'Allemagne. La diplomatie du Saint-Siège compte, avec les remontées d'informations et les capacités d'influence des communautés catholiques, des associations et des hiérarchies ecclésiales présentes dans la plupart des pays du monde, en particulier dans les pays de l'Union européenne. Les structures nationales catholiques ne doivent cependant pas être comprises comme étant autant de dociles forces d'appoint et de relais automatiques des décisions du Saint-Siège. Je ferai un commentaire personnel, loin de là. L'histoire du gallicanisme en France illustre bien ce rapport conflictuel entre une partie de la hiérarchie catholique française et la papauté. Le débat relativement récent en France autour du mariage pour tous, c'est-à-dire le mariage des unions homosexuelles, montre aussi l'imperfection d'un monolithisme catholique ou d'un alignement sur la papauté, plus souvent fantasmé que réel. Il semble cependant que le projet d'intégration européenne ait reçu une large adhésion des catholiques occidentaux. Je terminerai là donc par le dernier chapitre. Je vous rassure, il n'y a plus qu'une page et demie, même pas. Rapport de coopération avec l'Union européenne. Très tôt, le pape Pie XII a apporté son soutien au traité de Rome. Dès cette époque, à Strasbourg, puis à Bruxelles, les jésuites ont pris l'initiative de créer et d'animer un office catholique d'information et d'initiative pour l'Europe, OCIP. Le mouvement œcuménique a été aussi le cadre d'initiatives d'observation et d'approvisionnement du projet européen pour les catholiques européens. En 1970, un nonce apostolique, donc un ambassadeur, est nommé auprès de la Communauté économique européenne. L'élection du Parlement européen au suffrage universel à partir de 1979 ouvre ensuite des perspectives plus larges de relations entre l'Église catholique, prise comme institution, et les institutions européennes. Le 3 mars 1980, en accord avec le Saint-Siège, un collège d'évêques, crée la Commission des épiscopats de la Communauté européenne, connue sous l'acronyme de COMECE, pour suivre et accompagner les politiques européennes. À compter du Conseil de l'Europe, qui rassemble un plus grand nombre de pays que l'Union européenne et qui siège également à Strasbourg, le Parlement européen demeure une enceinte privilégiée pour les relations entre l'Union européenne et le Saint-Siège. Pour le chef de l'Église catholique, répondre à l'invitation du président du Parlement européen est l'occasion de prononcer un discours d'envergure, non seulement sur l'attachement du Saint-Siège au projet européen, mais aussi de manière plus critique sur les différents enjeux de nature éthique, culturelle et anthropologique. Avant, le pape François, qui interpellait les représentants de l'Europe sur, ouvrez les guillemets, la dignité humaine, Jean-Paul II est intervenu en 1988 sur la valeur inestimable de la personne humaine, et si Benoît XVI ne s'est pas rendu devant le Parlement européen devant ses 8 années de pontificat, le Parlement européen est venu au Vatican en la personne de son président, Jerzy Buzek. Les deux hommes ont alors abordé la question des relations entre l'Église et les différentes institutions européennes, ainsi que la contribution de l'Église à l'Union européenne. Dans cette relation entre l'Union européenne et le Saint-Siège, une certaine forme de réciprocité a pu se mettre en place. Outre les visites devenues communes des représentants des instances de l'UE au Vatican, le premier chef de la délégation de l'Union européenne a été accrédité en 2006. Luis Rito est installé le 24 juin 2006 après l'approbation des États membres. Il est remplacé le 6 février 2012 par Laurence Argimon-Pistre. Comme les autres ambassadeurs nommés auprès du Saint-Siège,
Son statut est encadré par l'article 19 des accords de Latran, article que je vais vous lire. Les agents diplomatiques et les envoyés du Saint-Siège, les agents diplomatiques et les envoyés des gouvernements étrangers près le Saint-Siège et les dignitaires de l'Église venant de l'étranger pour aller à la cité du Vatican et munis d'un passeport des États d'où ils viennent et visés par les représentants pontificaux à l'étranger pourront, sans autre formalité, accéder à cette cité à travers le territoire italien. Il en sera de même pour les susdites personnes qui, munies du passeport pontifical en règle, se rendront de la cité du Vatican à l'étranger. À aucun moment dans le texte, il y avait le nombre d'habitants résidant en cité du Vatican. Je vous rassure, je n'ai pas le chiffre. Commentaire terminé. Fin donc de l'intervention suivante. Les activités de la délégation de l'Union européenne concernent principalement la participation cérémonies et événements organisés par le Vatican. Le chef de la délégation préside à la rencontre des coordinations mensuelles entre les États membres accrédités auprès du Saint-Siège. Dans la relation entre l'Union européenne et le micro-État, ces activités ne sont là que pour signifier la profondeur et la variété des sujets traités qui vont bien au-delà de l'envergure géographique du micro-État. Les discussions sont assez larges et couvrent une série de champs. Ouvrez les guillemets, l'Union européenne et le Saint-Siège dialoguent sur un certain nombre de thèmes européens ou mondiaux, notamment le dialogue entre les cultures et les religions, la pauvreté et le développement, la viabilité environnementale, la prévention et la résolution des conflits, les droits de l'homme, la liberté de religion et de conviction. Fermez les guillemets. Bref, autant de champs de coopération et de réflexion qui dépassent l'horizon des sept collines de Rome ou du pré carré de l'État de la cité du Vatican. On pourrait même se demander si, finalement, l'appellation micro-État reste bien légitime. Au nom de Rémi Coccana, je vous remercie de m'avoir écouté. Je lui transmettrai vos applaudissements. Bé, doncs ara algú vol una qüestió? Sí? Gràcies, senyora Camiade. I have two questions for Mr. Marshall. I am Edward Arruga, the chair of the Catalan Economic Society that is a subsidiary of the Institut d'Estudis Catalans. My two questions concern economy, obviously. When I think that Liechtenstein is one of the richest, in per capita terms, countries of Europe, I would like to know which are, in your opinion, the basis of this welfare. You mentioned several times that industry is an important item in Liechtenstein. But I wonder if there are other sources of resources, economic resources in Liechtenstein. If it is possible to know which are the basis, as I repeat, of this economic welfare. The second question concerns the currency. You adopted the Swiss franc. Possibly, my interpretation is that this means that there is no central bank in Liechtenstein. So, in case of deficit of need of money, let us say by the Liechtenstein authorities, who is financing the public budget of Liechtenstein? Thank you, sir. Yeah, thank you very much for the questions. The first one, yes, there are several
important pillars for the economic development of Liechtenstein. It started in the 1920s, as I mentioned already, with a close cooperation with Switzerland. That was very important because Switzerland was not that much involved into World War I and had still a strong economy and a strong currency, the Swiss franc, whereas the Austrian currency just dropped to the bottom. So that was very important for the future development of Liechtenstein. And then the introduction of Swiss franc and a trade union with Switzerland, that was, of course, very important. And at the same time, in the 1920s, a new law was introduced, and that was the basic for the later development of the finance sector in Liechtenstein. You know that probably a little bit from other small countries and the Caribbean islands and Guernsey and Jersey and how they are called. You can name it. So it's about the same economic pillar for Liechtenstein that international firms could have a kind of foundation, for example, in Liechtenstein without having an enterprise in Liechtenstein. So at the top level, it was about 80,000 such foundations and enterprises and so on that were registered in Liechtenstein, and they brought a lot of money to Liechtenstein. And the effect of that was not only that this sector was making profit out of that, including the banks, but also that the taxes could kept at the low level. And that was a very important step for the industrial development, that the tax situation was very much in favor of enterprises and whoever wanted to create and build a business in Liechtenstein. And that was the second pillar, like, let's say, beside the financial sector, that was the industrial sector. And there were very good products that were produced in Liechtenstein and still are, like, for example, artificial teeth, one of the most important enterprise worldwide producing artificial teeth, is operating in Liechtenstein. We have several very important enterprises that are totally export-oriented. That means they produce for the whole world very high-quality products, and they are very important for the Liechtenstein economy. So we have quite a big share of people working in industry and small enterprises, and not only in that, people usually know that the banking sector, financial sector, and so on. So both of them are very important, including, as I said, the good cooperation with Switzerland, and now since 1995, a very important European Economic Area treatment, which provides stability and a constantly good situation for export and some sort of security for the industry, for example, and also for the financial sector, where it is very important to be part of that economic area. We see that Brexit discussion in the United Kingdom, and people are afraid, well, will we still be part of this economic European economic area in the future or not? And banks are starting maybe to take out employees and put them to Ireland or to Luxembourg or Frankfurt in Germany or Paris in France. So to be part of that economic area is very important for Liechtenstein. So these are maybe the main things. I could also say, because we are very busy and very intelligent, of course, that's another point, that people are, well, I would say they're working pretty hard, and very weak trade unions, there are no strikes, and people are really they want to work, and they have a lot of energy in their employments and so on. So that's maybe another cultural situation which is very much in favor of a good economic development. So the second question, yes, that's right. There's no central bank in Liechtenstein, so we are really dependent on what is happening in Switzerland, but there's the a common sense that the state of Liechtenstein should not run into debt.
So that's very important. And it's like a broad consensus. As soon as the budget is not balanced anymore, one starts to cut expenditures in a quite dramatic way. So let's say after the financial crisis of 2008, about 20% of the budget was not covered anymore. So it was not raising taxes, it was not, well, we run debts. No, it was cutting down the expenditures, no matter in which area. So there were really huge cuttings. But there are still financial reserves. The country has about, well, almost two annual budgets as a reserve. So we can go back on that. There are no debts. And the same situation is at the level of the communities. We have two levels. It's a state level and it's the municipalities level. So the municipalities, it's about the same situation there. Well, I will not say wealthy, but they are not running into debts. So that's quite important. And that's probably because there's no central bank. We don't have any opportunity. If Liechtenstein has a lot of debts, who will give them money? Where's the security? It's not there. They're too small. They don't have an own currency. So there is, they try just not to run into debt. So that's quite important. Well, I also have two questions, one for Liechtenstein and another for the Vatican. The question for Liechtenstein was already partially answered with the former question because it's in economics, but I am interested in employment. You mentioned industry and financial sectors as the main productive sector. And we have, you mentioned 37,000 employees, that it's always shock because it's almost, as you said, the number of inhabitants of Liechtenstein. I would like to know if you have the figures, the percentage of employment in the financial sector and in the industrial sector. If you don't have it, this number here, if you can guess it, more or less. Can I ask the question? Je vais faire une autre question pour oui, Monsieur merci. Robert Botegui. Si je peux répondre. J'ai beaucoup de curiosité pour savoir quel est le nécessaire pour être citoyen du Vatican. Peut-être vous l'avez dit, mais je ne le compris pas. Je vais répondre très simplement parce que je n'ai pas de réponse. Je pense pas qu'il y ait des citoyens de Vatican. Il y a des gens qui... Il y en a oui, vous qui peuvent être citoyens de Vatican. Quand vous avez dit que vous n'avez aucune idée. Du nombre d'habitants, j'ai cherché rapidement. Oui. Ce que je trouvais, c'est qu'il y a 900 personnes qui sont... Qui travaille, qui habite au Vatican, presque 450 duquel ont le droit de citoyennité. Je ne sais pas comment. À qui ont droit au passeport. C'est ça. Le droit de citoyennité. C'est ça. Mais ce que j'allais vous répondre, je pense qu'il n'y a pas de gens qui soient nés et qui héritaient. Je pense qu'on a droit simplement à un passeport vaticanais, mais probablement la double nationalité. C'est probablement ça. Mais je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas, navré. Oui, merci. Donc la réponse est... Mais il y a peut-être des gens compétents dans la salle. Tu as la double nationalité, Bécat, Vatican et Catalane, je ne savais pas, peut-être, non ? Il y a une situation semblable. C'est les coprinces d'Andorre, qui sont andorrans pendant le temps où ils sont coprinces. D'accord. Je vais lui téléphoner demain, mais je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Mais Uli Schoenstein, il m'a dit qu'on ne pouvait avoir qu'une seule nationalité. Usually. Yeah, to the question concerning the share of employees in the different sectors, I don't really have the numbers here. So it would be quite easy to find out because a statistical office provides very exact figures on where people are working. I just can say that astonishingly,
there's compared to other countries like Switzerland or Germany, there's a bigger share of people working in the industrial sector than in other countries. So usually one would expect that a lot of people are working in banks and whatever financial sector offices, but obviously it's not the case. There are a lot, of course. I mentioned the number of 200 of 37,000 inhabitants and about the same number of employees. So there are, of course, a lot of employees in Liechtenstein, but a lot of them are working in the industrial sector, which is an export-oriented industry. And also small caps, of course, which are for the local market, doing jobs for the local market. But the financial sector is, in financial terms, and concerning the income of the state in the last, let's say, 50 or 60 years, was very important because it was very profitable to have banks and activities like that. So that was important for the state budget, but not really, especially for the share of employees. And maybe another figure which would, if I can say something about that, about the population, we have about one third of foreigners living in Liechtenstein. So that was one third of foreigners living in Liechtenstein. So two thirds are Liechtenstein citizens and one third are foreigners. And that was the reason why, I guess, that the European Union said, well, that's okay, there are already so many foreigners living in Liechtenstein, so we don't need that complete freedom of movement of persons to Liechtenstein. So whoever finds a job in Liechtenstein and is a European citizen, a European Union member, state citizen, can start a job in Liechtenstein, but they cannot automatically take residence in Liechtenstein. So they live in Switzerland or Austria and cross the border every day. What about unemployment? It's at the level at about 2.2%. So it's almost no unemployment compared to other countries, of course. So that shows again quite booming economy, even in present days. So not even the financial crisis of 2008 did not have a boost on unemployment like in many other European countries, but it's still a quite comfortable situation. Altres preguntes? Sí. Is this a question for Liechtenstein? Joachim Arnau, I am the secretary of the section of philosophy and social sciences of the Institute of Studies Catalans. What is the political educational policy about languages in the school? Are there speakers of different languages? What is the educative system in relation to teaching languages? Yeah. Well, the national language is German. So we are speaking German in school, in kindergarten, primary school, secondary school, and so on. There are nearby in Switzerland, there is an international school where they teach in English, but it's more for like children of managers that are coming to these big enterprises and they need a sort of international schools with English as the main language. So the official language in Liechtenstein, in administration and in private life, and well, private life has not an official language, of course, but the usual language is German. It's not like in Switzerland where they have four languages, German and French and Italian and Rat-Romanian language. So it's German language. So now what do we start when we go to school? The first foreign language is English. So that's what most of the children learn as the first foreign language. At my times, but it's decades ago, it was French as the first foreign language because that we were influenced by the Swiss Swiss education system and school system. And in Switzerland, they had the philosophy that the first foreign language must be a Swiss language, another Swiss language. So they started with French, and we had in the high school we started with French as a first language, and then English as the second foreign language. Now they start usually with English and the second foreign language then usually is French. So that's about that.
And of course you can have courses for other languages if you want to, and if it's provided in your school, you can learn maybe Spanish. I don't know whether there are courses in Spanish or Catalan, probably. maybe not. I don't know really. That okay? Alguna pregunta més? Toni, no vols parlar? El moment que l'Òscar Ribareig va ser el primer cap de govern d'Andorra, havia promulgat, ell volia que tots els microestats puguin, te'n recordes en els discursos que feia? Ah, clar. Les illes anglo-normans són tres estats. Són tres estats. Exerce, Guernesey... I Guernesey, sí. És veritat. Sí. Miquel, pots passar? Un ambaixador, quan no teníem ambaixadors... Perquè a Andorra, que en diguem ambaixadors és recent, però havien tingut un ambaixador a Londres, que era un senyor que el seu parent és el corresponsal a La Vanguardia a Beirut, el senyor Alcovero. I el senyor Alcovero va crear a finals dels anys 50 una associació on hi havia San Marino, Mònaco, Liechtenstein, Andorra i l'illa de Sark. I això ha desaparegut. Però, per exemple, no es parla mai de les tres illes anglo-normans, bueno, sobretot Jersey i Guernesey. Em sembla que vosaltres amb aquest estudi no heu parlat. Però jo crec que Jersey i Guernesey, que en anglès es diuen State of Jersey, State of Guernsey, estat. És a dir, que són states. I jo crec que es tindrien d'incloure perquè és una cosa, vull dir, jo personalment, si vols, les persones que m'han après més políticament per Andorra han sigut els meus amics de Jersey. És a dir, que és una cosa molt curiosa. I aleshores, és una remarca que faig, la pròxima vegada que parleu dels petits estats d'Europa, feu-me el favor, si no voleu incluir Sark, no hi inclueu, però incluïeu almenys Jersey i Guernsey. Em sembla que el Robert et vol contestar. Robert? Pas contester... Non, contestar, c'est répondre. Ah oui, d'accord. Non, hein, vous voyez, je me méfie, je me méfie. Non, non. Des faux amis. Jersey et Guernesey, les îles anglo-normandes font partie du royaume britannique. Donc la question que vous posez à cela, pour la connaître, si c'est des entités du royaume britannique. Oui. Si vous voulez, voilà, vous le dites. On est d'accord là-dessus. Mais pour connaître, par exemple, Martine le sait, pour travailler pas mal dans la Caraïbe physiquement, il y a des situations dites d'État qui sont, ou des constructions en termes de sciences politiques très différentes suivant dans le monde, suivant les États. La question que vous posez ça, que l'on pose derrière, c'est ces systèmes para-outatiques, quels sont les attributs et quelle est la reconnaissance internationale. Ce qui est passionnant dans le Liechtenstein, et il a beaucoup insisté dans son intervention, c'est tout le travail qu'ils ont entrepris, qui a duré des dizaines et dizaines d'années, de passer au niveau de la reconnaissance d'un État. Et vous n'existez comme un État que parce que les tiers vous le reconnaissent. Si vous pouvez vous auto-instituer comme État et que personne ne vous reconnaît, ce qui est le cas d'un certain nombre de cas, on a fêté le Kosovo, etc., vous agitez indéfiniment sous votre siège, ça ne sert à pas grand-chose. Donc tout le travail, et si ça vous intéresse, j'ai pensé en même temps,
la stratégie de communication de la principauté en 2011 pour être commune comme un État. C'est la même chose. Quels sont les attributs d'un État? Ben, c'est de que l'autre vous reconnaisse. Et toute l'histoire du Liechtenstein, c'est ça. Mais, par ailleurs, il y a des situations d'autonomie que j'en connais en Caraïbes. En Caraïbes, vous avez des îles qui sont des communes hollandaises et qui ont un statut alors, de telle autonomie, de telle dérogation, c'est ce qu'évoquait notre collègue, en particulier de la fiscalité, qu'ils en faisant les attributs, mais ils veulent la protection. Dit différemment, et ça, toute la question des micro-États, c'est on est trop petit pour résister tout seul, si on voit la problématique. Donc il faut la monnaie du côté, Monaco, il faut l'armée du côté, à Monaco, il faut la vache du voisin, l'eau du voisin, la mine du voisin, on ne produit rien. Et en même temps, il faut économiquement résister. Et la seule stratégie, bon, moi je parle que pour ce que je connais très bien, la principauté de Monaco, pourtant je suis français, mais j'ai travaillé sur cette frontière, la seule stratégie, c'est la stratégie d'attractivité par la différenciation des statuts. La seule richesse de Monaco, c'est la capacité, comme État reconnu par les autres États, de produire du droit différent du voisin. Sinon, vous n'avez pas de raison d'exister. Dans un système économique, c'est une différenciation économique du voisin. Faut-il encore que le voisin accepte le jeu ? Quand vous êtes petit, que vous pesez comme Monaco, 6800 citoyens, 40 000 emplois, bon, à l'extrême limite, ça ne posait pas grand problème. Mais quand ça s'étend à une échelle trop large, c'est plus acceptable par vos voisins. Donc voilà, cette situation-là, elle est très, très complexe. C'est tout l'enjeu des relations internationales. Tous les petits États, nous avons eu exactement le même problème. C'est de nous faire reconnaître. C'est-à-dire, nous n'avons existé que lorsque les autres... Enfin, nous n'avons existé... Non, nous existons depuis toujours, hein, je dis. Là, vous m'emmenez sur un terrain, excusez-moi, sur lequel je ne voudrais pas aller. Hein. Non, attends, vous entends le « nous », mais... Excusez-moi, on en a discuté, c'est la notion de micro. Le micro, il commence pourquoi ? À 20 000, 30 000 citoyens, 10 000 citoyens. D'ailleurs, on est dans des systèmes complexes, dire, là. Ce que je voulais dire, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez, nous avons créé tous les services nationaux d'éducation, de protection sociale, de télécommunications, peut-être le Liechtenstein un petit peu avant, mais tous les autres, nous l'avons créé après la Deuxième Guerre mondiale. Jersey et Guernesey, surtout Jersey, ont commencé les premiers. Par exemple, les systèmes de protection sociale, ce que je connais le mieux, dans tous les petits États, le premier, le plus important qui a été créé, c'est celui de Jersey. Le système de protection sociale le plus important des micro-États actuellement, ou des petits États, c'est le système de protection sociale de Jersey. Alors, évidemment, Jersey, ça appartient à la couronne. Le bailli, parce que, si vous voulez, Jersey et Guernesey, c'est incroyable parce que ce sont des Anglo-Normands, mais ce sont des Anglais. Et, par exemple, Montesquieu, ils ne connaissent pas. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Hein, le Parlement de Jersey et de Guernesey, le bailli, il a le pouvoir exécutif, il est le patron du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et de la justice, par la reine d'Angleterre, qui lui attribue. C'est-à-dire, il a les trois pouvoirs. Ils ne savent pas ce que c'est. Alors, comment ils font ? Ils gèrent cela. Ils gèrent cela à partir de l'administration. Ils ont une administration avec un contre-pouvoir extraordinaire et ils arrivent à s'en sortir. Mais, par exemple, si vous voulez, l'organisation de territoires en paroisse, c'est quelque chose d'assez curieux, ça. C'est, par exemple, les petits États, par exemple, Jersey et Guernesey,
sont divisés en paroisses. Hein? Et le conseil à Jersey et à Guernesey, le conseil général, enfin ce qu'ils appellent, est à la fois Sénat et représentatif, puisqu'ils ont le système anglais de 29 qui sont élus par circonscription, mais ils en ont 24 qui sont deux par paroisse, deux sénéchaux. C'est-à-dire que, si vous voulez, en Andorre, c'est exactement le même système. C'est-à-dire qu'il y a quand même une caractéristique qui est intéressante. Par exemple, ce qui serait intéressant, je ne sais pas parce que je ne le connais pas, mais je voudrais connaître, par exemple, la situation, comment est organisée la vie politique et sociale au Bhoutan. Parce que je pense qu'avec le Liechtenstein, la Suisse... Mais vous n'avez pas besoin d'aller très très loin. Dans la République française, vous avez des territoires de la République française où le droit coutumier côtoie le droit de la République. Vous prenez Wallis et Futuna, c'est le cas. On peut, si vous voulez, ce que vous avez cité pour les Anglo-Normands, la différenciation juridique française pour les pays, territoires, collectivités et départements tout au monde du Trevers est du même ordre. Vous allez en Nouvelle-Calédonie, vous allez à Wallis et Futuna, vous allez à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, vous avez des... Pardon ? Les îles ? La Réunion aussi. Alors, la Réunion... En France, dans ce domaine-là, on a des départements d'outre-mer, donc la Réunion, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Ensuite, vous avez, suivant le degré de lien avec l'État français et l'intégration à la Union européenne, vous avez juste après les départements d'outre-mer, qui sont des départements de plein droit, au titre de, pour être très très nid, de l'article 72 de la Constitution française, c'est-à-dire que la Réunion, la Martinique, voilà, eux fonctionnent, des départements sont disposés. Et ensuite, vous avez des gens qui ont un moindre, ça s'appelle des collectivités d'outre-mer. Par exemple, vous avez entendu parler de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy. Le principe étant toujours le même, plus on a d'autonomie, moins on a de transferts fiscaux de l'État et de l'Union européenne. On ne peut pas avoir, comme on dit chez nous, le beurre et l'argent du beurre. Après, vous avez des situations qui s'éloignent et qui vont jusqu'au statut, par exemple, de la Nouvelle-Calédonie, où il n'y a pas d'euro, où il y a un drapeau, où il y a un Parlement national, pareil pour la Polynésie, où on est à l'intérieur de la République française, mais un État avancé. Et vous avez le cas extrême de Wallis et Futuna, qui sont deux petites îles dans le Pacifique, où il y a 20 000 habitants, où coexiste le droit coutumier depuis le XVIIIe siècle et le préfet de la République. Donc on a des situations d'adaptation juridique assez, assez évidentes. Alors, par exemple, il y a toujours eu, c'est le cas dans un certain nombre de pays, dont la Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, qui revendiquent auprès des Nations Unies une reconnaissance d'État. Mais ça, ça, aux périphéries de tous les États, il y a toujours cette tentative de dislocation et de se mise à l'écart. Voilà. Après, c'est un vaste sujet de droit international qui est absolument passionnant. Un petit détail, juste après la guerre en 1945, s'est posé le problème de savoir si on intégrait la principauté de Monaco dans la République française. Il s'est vraiment posé pour une raison simple et historique, c'est que le prince de l'époque, Polignac, avait collaboré avec les Allemands. Puisque, ben, comme tous ces États périphériques, il y a un certain nombre de fonctions qu'ils faisaient. Donc, le prince Rainier, qui a pris la guerre, pour montrer sa fidélité à la République française, d'abord, ce n'était pas le fils du prédécesseur, c'était qu'un neveu, et il s'est engagé dans l'armée française comme capitaine. Il a donné des gages d'allégeance à la République française. Et il y a eu un deuxième épisode... tous les gens ont pensé au beau mariage du prince Rainier avec la princesse Grasse. En réalité, on oublie un autre épisode qui a eu lieu avec le général de Gaulle, où la frontière a été fermée pendant 3 jours. Mais pourquoi elle a été fermée pendant 3 jours? Parce que le mariage était peut-être un mariage d'amour, je ne suis pas allé vérifier, mais je ne sais rien, moi, comme tout le reste. Mais en revanche, ce qui est sûr, et vous parliez de banque centrale, c'est que l'État monégasque était en faillite. Et c'est les Américains qui l'ont renfloué. Mais c'était au moment où De Gaulle était sorti de l'OTAN et où les Américains ne voulaient pas. Donc le deal, ça a été, tu prends peut-être la princesse, je n'en sais rien, le deal, ça a été, on renfloue la banque,
bien, en contrepartie, c'est nous qui prenons la direction des affaires étrangères. Donc, en gros, c'était des agents de la CIA qui étaient en poste. Et De Gaulle a téléphoné à Régnier en disant « un tel, est un Américain, il rentre chez lui, ou tu vas voir ce qui t'arrive. Ben, » ce qui est arrivé, il a fermé la frontière, il a coupé l'eau. Et puis, c'était, enfin, il y a 10% de Moneca ne peut ouvrir que 10%. Voilà, ce sont ça, ces relations. Donc, les relations, elles sont toujours des relations ben, de pouvoir, du plus fort au plus faible. C'est un gars classique. Alors, comme l'île de Man, la couronne britannique, pour des tas de raisons, comme la France, comme gens, on a souvent besoin, pour des raisons géopolitiques plus ou moins claires et obscures, on a besoin de lieux qui sont des entre-deux ou des zones grises. Vous les nommez comme vous voulez, je me méfie des mots, parce que parfois il y a un jugement moral. Mais on a tous besoin d'entre-deux. Le fait que la France maintienne des départements d'outre-mer est aussi lié à la puissance, puisque je crois qu'il y a ici des spécialistes de la mer et des frontières maritimes, où j'ai mal compris. Il n'y a pas un... Ah non, j'ai mal compris. Parce qu'un des grands enjeux qu'on oublie toujours, mais qui pourrait faire l'objet d'un autre colloque, c'est le problème des frontières maritimes, puisque la mer est le grand pouvoir maritime. Or, après les États-Unis, le pays au monde qui a la plus grande maîtrise territoriale en termes juridiques, c'est actuellement la France. Parce que la France, on oublie toujours, c'est le pays qui a le plus de frontières au monde, hein, 35 frontières. On a des frontières avec le Canada, avec le Mozambique, avec l'Australie, etc., au sens maritime du terme. Et on a un pouvoir maritime qui est incroyable, quoi. Et toutes les richesses qui sont au fond de la mer sont à l'intérieur, sont dans ces systèmes-là. Et là, c'est un autre enjeu qui est très compliqué. Pour terminer sur l'anecdote, le prince Régnier, qui s'entendait bien avec le président Mitterrand, qui ne s'entendait pas avec Giscard d'Estaing, ni actuel, bon, ça, il a négocié avec Mitterrand l'accès à la mer, chose qu'il n'avait pas jusqu'avant. Donc les 12 000 marins ont été déplacés pour avoir une indépendance. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes dans un pays enclavé, ben, si les deux pays ne vous entendaient pas, ben, vous êtes mort, quoi. Voilà, donc le jour où Liechtenstein déclare la guerre en même temps à l'Autriche et à la Suisse, il va falloir qu'il crie à l'aide. Mais c'est des beaux sujets, ça, très, très intéressant. No tinc cap pregunta, sinó un testimoniatge, ja que ha pres la paraula el senyor Ubach. I potser els col·legues no saben qui és el senyor Ubach, que és andorà. Ha estat diverses vegades ministre del govern andorà i jo, com a responsable dels estudis catalans, li tinc un deute públic que... em pago una part ara fent testimoniatge perquè ha tingut la discreció d'ho fer sempre discret. Quan l'any 82 es va negociar la llicenciatura de català, ell era ministre d'Educació d'Andorra i el cap de govern, Òscar Ribarreig, han fet una intervenció oral i escrita a prop del seu copríncep, que era el François Mitterrand, i va ser una ajuda considerable per la creació de la llicenciatura, a més de donar documents que demostraven que el català, cosa que el Ministeri d'Educació a França no ho creia massa, que el català era llengua del comerç, de la diplomàcia, de diferents coses. I per tant... Sur Monaco, un petit detall aussi, mais qui a a voir avec la Catalogne. Le premier officier américain qui est rentré à Monaco était un officier de l'armée américaine, mais il était né à Martinet, en Cerdagne. Oui, oui. Il était né à Martinet. Et ce monsieur, lorsque... c'est un truc très curieux. Et lorsque il y a eu le problème avec la Société des Bains de Mer, avec Onassis... Ah oui. La première fois que Monaco a cassé le monopole de la Société des Bains de Mer, ouais, c'est avec des Américains qui ont ouvert l'hôtel, je ne me souviens plus le nom de l'hôtel, mais enfin, c'était des frères, c'était des patrons de la CBS, ouais, de la CBS qui s'appelait Tisch, qui était très important, mais l'homme qui a fait l'affaire avec Tisch,
c'était l'officier américain qui était né à Martinette. Alors, juste pour terminer, hein, je me permets. C'est intéressant, parce que vous avez là, c'est intéressant de voir, ça rejoint un petit peu en synthèse ce que l'on a fait. Vous avez là la dernière campagne, une des dernières campagnes de communication, ce qu'on appelle du marketing territorial. Comment expliquer qu'un petit État doit avoir une reconnaissance universelle, mondiale? Comment on vend ça? Et donc ça, ça a été une des dernières campagnes qui a été commandée par le prince Rainier, qui voulait passer des messages, dire on est petit, mais on est incontournable. C'est du pur marketing, donc c'est très intéressant à lire. Je crois que vous faites de la communication, madame? Non, je ne me trompe pas. On m'a même raconté ça. Voilà. Alors, vous le lisez, hein, si notre terrain a la taille d'un pays, c'est parce qu'on y reçoit le monde entier. C'est déjà le... Oui, je suis petit, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, vous êtes tous très pertinents. La principauté de Monaco, moins 12 degrés l'été, moins 47 degrés l'hiver, parce qu'elle finance en particulier beaucoup de grandes expéditions. C'est quelqu'un qui participe de la découverte du monde. Elle est indispensable. Mais en même temps, pour faire cohabiter les talents de 119 nationalités, il faut être un grand pays. C'est, entre guillemets, on se vend accueillant. La réalité est quand même très différente. Hein. Je veux dire, très différente. Il y a un pourcentage, un rapport entre le nombre de policiers et le nombre d'habitants que vous ne dépassez pas dans aucun endroit du monde, hein, croyez-moi. Mais enfin, bon, c'est un commentaire. Voilà. Pour quel pays d'Europe consacre 5% du budget de promotion à la culture? Donc, il y a toute la déclinaison. On est un grand pays culturel. C'est extraordinaire. C'est 2 km² et d'océans à préserver. Donc toute la stratégie de la principauté de Monaco, c'est on sauve la planète. Et sans nous, vous ne pouvez pas. Alors à partir de l'histoire océanographique réelle des différents princes, mais ce sont des gens qui sauvent la planète. Voilà. C'est... on est utile et ça permet de contrer le discours qui était encore très présent, c'est on a un paradis fiscal. C'est toujours il faut voir en définitive les contre-messages qu'on passe. C'est un pays, 24 accords de coopération fiscale, vous voyez, je faisais le lien, mais c'est, on est vraiment dans cet esprit-là. Pour mesurer la générosité, il suffit de regarder par-delà ses frontières. Donc c'est vrai qu'ils font du mécénat. Et on voit bien à quoi sert le mécénat. Hein ? Financé par du mécénat. Oui, mais c'est de la coopération. Dans la coopération qui n'est pas à parité, où celui qui paye dirige celui qui est payé, ça pose un problème. Voyez le problème d'Oxfam en Haïti. Martine et moi, on y était au mois de décembre. On a vu ça. Et on revoit les articles. C'est nous ce que nous avons payé sur notre pays. C'est-à-dire, celui qui paye commande. Ça a toujours été ça dans la vie. Et c'est pas prêt de changer, je pense. Voilà. Quelle forme peut prendre l'aide apportée aux populations touchées? C'est toujours la grande générosité. Quel pays connaît une hausse de 10% du nombre de ses emplois sur les 5 dernières années? Quelle position tenir face à la surexploitation du thon rouge en Méditerranée? Voilà. Voilà, ce sont les images. Ce qui est intéressant après, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je pourrais vous le montrer, c'est quels sont les éléments de langage utilisé pour l'attractivité économique vis-à-vis des entreprises qui veulent venir s'installer en Monaco. En gros, c'est bref, c'est un pays sûr, très surveillé, c'est un pays stable, mais surtout, c'est un petit pays, donc c'est stable. Si vous avez de l'argent, si vous avez un problème d'adaptation de la loi pour favoriser votre business, on change la loi. Après, vous pouvez voir, mais c'est affiché clairement. Mais c'est aussi une stratégie. La question que je me pose, alors moi j'ai travaillé sur la coopération franco-monétaire du côté français. Donc j'ai le point de vue du côté français. Hein. Je pense que si j'avais à côté de moi, j'ai des amis monégasques, vous auriez le point de vue monégasque. Pour moi, cela m'interroge. Comme m'interroge la question qui a été évoquée, qui est partout sur les frontières, la question des naveteurs. Qu'est-ce qui coûte plus cher, loger, héberger, fournir des services publics à un habitant ou lui donner du travail? Bonne question.
entre les quatre petits, enfin, qui sont Monaco, San Marino, Liechtenstein et Andorre. Je veux dire, moi personnellement, commandant, je suis sainement jaloux du Liechtenstein. Parce que pour moi, c'est... Bon, je voudrais être, lorsque je serai grand, comme le Liechtenstein, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'extraordinaire, je lui disais, en Andorre, la moitié, vous savez, c'est un pays qui fait froid en Andorre, et on se chauffe avec des chaudières au gazoil. La moitié des chaudières au gazoil qui sont utilisées en Andorre viennent de Liechtenstein. Ouais, viennent du Liechtenstein. Vous comprenez? Ils ont de l'industrie. Je ne sais pas si vous avez goûté, mais ils ont une conserverie qui font des petits pois et des haricots verts qui sort certainement les meilleures conserves du monde de petits pois et de haricots verts. Et c'est fait au Liechtenstein. Hein? Alors, et après, comme si vous voulez, ma passion, c'est l'art. C'est quand même le petit pays qui a la collection d'art la plus importante de loin. En Andorre, nous n'avons rien. À Monaco, ils ont un peu. À Saint-Marin, ils sont comme nous, ils n'ont rien. Mais au Liechtenstein, ils ont beaucoup. Molt bé, doncs acabarem aquí avui. Moltes gràcies a tots per haver vingut, per haver participat i en el debat també. I moltes gràcies a Robert i doctor Marsa. Molt bé, gràcies.